Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait 3-4 jours que vous êtes sans vidéo, je suis désolée. J'étais occupée, voilà. J'ai reçu il y a quelques jours mon nouveau stylet sans glu. Je vous en avais déjà présenté un il y a quelques jours, enfin maintenant 15 jours je crois. Avec une seule pointe. Et là, j'ai reçu celui avec deux pointes. Voilà. Donc, celui-là était un peu plus long à recevoir parce qu'il venait des USA. Je l'ai eu par le biais du site d'Amazon. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. En même temps, pour le premier que je vous avais présenté, donc, la boutique Perle & Co. Est en attente de les recevoir. Donc, dès qu'ils les reçoivent, je vous préviendrai pour que vous puissiez aller le commander pour ceux qui n'ont pas pu. Voilà. Donc, dès que je vois qu'il est remis en boutique, je vous préviens. Voilà. Alors, là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est toujours le même nom, hein, c'est un Jewel Picker. Donc là, c'est la marque Marvi Ushida. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un double pointe. Il y a une pointe de chaque côté. Une fine et une un peu plus grosse. Donc, à la base, ce sont des stylets qui servent pour les strass, comme ici, vous voyez. Voilà, donc pour les strass, pour souvent, surtout les personnes qui font les ongles décorés, qui s'en servent. Alors, je regarde si c'est écrit en français. Non, c'est pas écrit en français, donc je peux pas vous le traduire. Mais je vais vous le présenter. Alors, je vais d'abord l'ouvrir. Non, le voici. Donc là, par rapport à l'autre, il y a donc une pointe de chaque côté. Là, il y a des paillettes. Là, ça ne sert pas à grand chose les paillettes, hein, mais alors, d'abord la pointe fine. Voilà. Donc c'est la pointe fine, sans glu. Donc, dessus, c'est comme un caoutchouc. Hein. Donc, il faut essayer de ne pas y mettre ses doigts hein, pour pas qu'il y ait l'effet collant qui se retire. Et j'avais déjà expliqué la première fois pour le nettoyer, puisqu'il peut y avoir à la longue des petites poussières qui viennent se coller dessus. Vous prenez un petit bout de scotch et vous le passez dessus sur le côté collant. Voilà. Et ça va le nettoyer. Donc ça, c'est la petite pointe fine. Et la grosse pointe, la voilà. Donc c'est pareil. Alors là, celui-là, je l'ai acheté surtout pour les... Comment ? Pour les kits en diamants spéciaux, voilà, qui ont des grosses perles des fois, et donc je vais essayer, puisque là je n'ai jamais essayé avec le double pointe, hein. Et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous remettrai ici, quelque part, le lien de la première vidéo, où je présentais le stylet simple. Voilà, et ici on va donc essayer sur le kit que j'avais reçu de la boutique Milky Jams. Voilà, rappelez, c'était le kit avec les chouettes. Voilà, monsieur, madame. Donc je vais vous le remontrer.
Donc, c'était sur celui-là. Donc, je vais en faire un tout petit bout pour vous montrer comment... Bon, là, je ne l'ai pas repassé, du coup, mais bon, c'est pas grave. Pour qu'on voit comment le stylet fonctionne et s'il y a un bon pouvoir adhésif dessus. Voilà. Donc là, ces stylets-là, pas besoin de glu, pas besoin de pâte à fixe, hein, rien du tout. Hein. Vous l'utilisez tel quel. Allez, je vais vous basculer et on se retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, on va faire ici un petit peu, puisque là, on voit qu'il y a des diamants spéciaux, les gros, vous voyez, à mettre, et puis des petits. Donc, on va faire un tout petit bout pour voir ce que ça donne. Alors, justement, on va commencer par deux gros. Donc, les deux gros, ça va être ceux-là. Voilà. Alors, je ne vais en sortir que deux, puisqu'il m'en faut que deux. Je vais prendre la tablette neuve, c'est rien, je vais... Voilà. Voilà, il ne m'en faut que deux. On va le mettre à l'endroit. Et donc, on va... Donc là, comme ce sont des grosses perles, on va faire avec le... ce côté-là. Voilà, vous voyez, déjà, niveau adhésion, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on voit déjà que niveau adhésion, il n'y a pas de problème. Donc, faire attention de ne pas le faire coller sur la table, par contre. Alors, on va mettre cela. Alors, cela, c'est le numéro 2. Donc, il va m'en falloir 4. Donc, je vais n'en sortir que 4. Ah, on va en sortir un peu plus, ça fait rien. Donc, pareil, je vais utiliser le gros côté. Vous voyez, ça ne bouge pas. Ça va très très bien là, avec celui-là. Hop, voilà. Donc, pour les grosses perles, c'est nickel. Hein. Vous les avez vues. Donc, maintenant, je vais avoir des petits strass. Je vais refermer. Je vais remettre mes perles en place tout de suite. Puisque là, j'ai pas utilisé ma boîte pour pas perdre mes perles. Hop. Et hop, voilà. Donc ici, c'est le petit R. Et le petit R, c'est le numéro 11. Donc le 11, c'est à la fin.
Voilà, donc le 11, c'est cela. Donc là, ce sont des petits strass. Se mettre impeccable dans le petit plateau. Donc là, je vais utiliser donc le petit côté, celui-là, et on y va. Oui, ça va, impeccable. Alors, je vais essayer de vous mettre le zoom pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. J'espère que ça n'a pas flouté. Non, ça va, je crois. Et ça va vraiment nickel. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer comme une sauvage hein, avec. Je l'avais déjà dit sur la première vidéo. On y va tout en délicatesse, ça suffit. J'ai l'impression que même avec ça, par rapport au stylet ordinaire hein, que l'on a d'habitude, on travaille un peu plus vite. Voilà. Vous voyez? C'est beaucoup plus précis, je trouve. Alors celui-là, côté fin, il est encore un peu plus fin que le premier stylet. Il s'est sauvé, bien là, voilà. Que je vous avais montré la première fois. Là, c'est ma faute, je l'ai mal pris. Voilà. Alors, celui-là de stylet, alors, niveau prix, il est à 5,49 €, je crois, enfin 5,50, quelque chose comme ça. Alors, j'avais pas de frais de port, malgré que c'était pour les USA. Oups. Ah, bah alors, je vais aller trop vite. Ah oui, je disais, il y avait pas de frais de port. Voilà. Bon, il y a juste un petit peu plus d'attente pour le recevoir, puisque ça vient des USA.
Et sinon, c'est tout. Voilà, il va nickel. Voyez. Donc, alors, je cherche où je suis. J'essaye de vous le montrer en gros plan. Donc, voilà la fine pointe. Je vais vous remontrer la grosse. Voilà la grosse. Donc celle-là pour les grosses traces, les grosses pierres, les gros diamants, ça va aller très bien. Bon, je vais juste finir les deux petits traits de la queue là. Voilà, comme ça. La petite queue sera finie. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo hein, pour ce kit. Je vous remets également en barre d'infos donc le lien pour retrouver ce kit sur la boutique Mes Petits Diams avec également un code promo qui vous permet d'obtenir 10% sur votre première commande. Voilà. Donc je vous remettrai le lien également. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai mis où mon petit chapeau? Mince. Mon petit bouchon. J'ai mis mon petit bouchon quelque part. Ah, le voilà. Donc voilà, vous avez vu, ça va quand même assez vite. Donc ça je vais les remettre après et donc pour les grosses perles je vais vous remettre une grosse rouge pour vous montrer vous allez me dire on peut les mettre à la main aussi hein, ceux-là si on veut mais je veux juste vous montrer voilà. Et voilà, rien de plus simple. Donc j'adore ces stylets. Donc alors, voilà, hop, à l'endroit c'est mieux. Voilà. Vous voyez, donc c'est pas chinois, vous voyez, ça vient, c'est du Japon. Hein. Ça vient du Japon, pas de Chine. Mais là, moi, la commande vient des USA. Mais c'est fabriqué au Japon, pas en Chine. Vous allez me dire, c'est pareil, mais bon. Je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre la Chine et le Japon, moi. Allez, je vous remonte. Voilà. Donc, vous voyez, ça va quand même très, très vite. De travailler avec ça, c'est très simple. Donc niveau nettoyage, ben, vous prenez un scotch, vous le faites sur l'envers du scotch. Là, je vais pas vous le montrer maintenant parce que là, il est tout neuf, donc il n'y a pas de poussière dessus, donc c'est pas la peine. Et en repassant sur le scotch, ça redonne un petit pouvoir adhésif en même temps à la pointe. Voilà. En plus, j'aime bien comment il est strassé. Il brille. Allez, je me remets donc, devant. Voilà. J'espère que cette petite démo vous aura plu, que ça vous aura convaincu également. Alors, là, pour ce stylet, j'ai pas de partenariat ni rien. C'est moi qui vous donne
ce bon plan. Voilà. Donc, il est un tout petit peu plus lourd, mais alors c'est léger, hein. De toute façon, ça pèse rien. Un tout petit peu plus lourd que le premier, puisqu'il y a une double pointe, mais sinon, il va super. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut à verse. Il va super à tenir. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. N'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à le commander, hein, vous ne serez pas déçus. Et surtout, bon, quand vous le recevez, que vous vous en servez, en douceur. Il n'y a pas besoin d'y aller à l'arrache. c'est vraiment nickel. Vous pouvez vous en servir pour également pour les kits de perles rondes, les kits de perles carrées. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, là, la grosse boîte ne servira que pour les gros diamants spéciaux. Voilà, parce que là, pour les petits, ça va être trop gros. Mais sinon, voilà. Donc là, moi, je vais faire tout ce qui sera fait avec ce stylet. Donc, vous le verrez sur les différentes vidéos que je vais faire. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse mettre vos commentaires. Hein, j'y répondrai comme d'habitude, hein, avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi les petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne. Alors là, je suis super contente parce que on arrive bientôt. Enfin, bientôt, il faut encore 80 abonnés. Mais on arrive bientôt aux 4000 abonnés, donc je suis contente. Donc si on pouvait y arriver pour Noël, ce serait super. Comme ça, il y aura une grosse surprise. Donc je vous remercie tous, je remercie tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas qu'il y a un concours, le concours surprise qui est encore en cours en ce moment. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller vous y inscrire, hein. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 4 octobre à minuit. Minuit une, il sera trop tard. Voilà, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, vous ne pourrez plus. Et puis bon, il y a d'autres surprises qui vont arriver. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.